C'est M. Hassan Sadio Bokoum, secrétaire chargé des revendications du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, et coordinateur du comité scientifique du groupe des 5 syndicats du G7. Des directives et des orientations. L'Assemblée générale est là. Les enseignants ont répondu présent et massivement, et nous leur en félicitons. Mais qu'est-ce donnera des directives qui pourra permettre d'aller face au gouvernement et donner des réponses concrètes par rapport à... Pour le moment, des réactions ne sont pas encore recensées, mais les camarades, à les entendre et à les voir, ils sont mobilisés et ils ont une détermination. Maintenant, qu'est-ce que cette détermination va donner? Tout dépendra maintenant de la résolution de cette assemblée qui éventuellement vous sera communiquée, Inch'Allah, à la sortie. Je dis, au premier plan d'action, le niveau de satisfaction dans le secteur n'était pas satisfaisant. Mais au deuxième plan d'action, nous avons senti tout l'engagement et la mobilisation des enseignants derrière la plateforme qui a été déroulée par le groupe des 5 du G7. La revalorisation correcte des systèmes de rémunération des enseignants, de l'élémentaire, du préscolaire, du moyen et du secondaire. Je pense que c'est ça qui peut être déterminant pour cette levée de mots d'ordre. Maintenant, il y a des objectifs qui sont fixés par rapport à ça. Il y a des seuils, il y a des questions sur lesquelles nous n'avons pas encore travaillé, qui méritent d'être travaillées. Nous devons discuter avec le ministre de l'Éducation nationale sur certaines indemnités qui sont liées à son ministère. Nous devons aussi travailler avec le ministère de la fonction publique sur la revalorisation du statut des enseignants décisionnaires et tant d'autres questions sur lesquelles il faudra pointer et travailler. Maintenant, la revalorisation du système indemnitaire des enseignants devra être capitale aussi. Maintenant, sur différentes rubriques, il faut le dire. Nous ne sommes pas encore lésés parce que c'est des écarts qui sont constatés dans les propositions. Et nous avons demandé au gouvernement de corriger ces écarts parce qu'il n'est pas question que des enseignants d'une même hiérarchie aient des différences aussi grandes qu'on le voit. En tout cas, c'est des écarts que nous avons pointés et nous pensons que le gouvernement a pris acte. Et dans les prochaines propositions, ils devront nous faire des propositions qui seront dans l'égalité, mais aussi dans un équilibre qui pourra permettre aux enseignants de se voir dans les propositions. C'est leur souci. Chacun a son rôle. En tout cas, nous sommes des syndicalistes. Nous avons notre rôle à jouer. On ne peut pas dire que tous les syndicalistes ne sont pas des politiques. Je pense que la liberté de s'engager politiquement, on ne peut pas le nier à quelqu'un. En tout cas, nous, tout ce que nous faisons, ce n'est ni lié à un objectif politique, ce n'est ni lié à un agenda politique. En tout cas, nous avons des objectifs pour la revalorisation de la fonction enseignante. En tout cas, toutes les hypothèses qui seront présentes, nous nous sommes préparés à ça et nous nous attendons à ce qu'il y ait des satisfactions par rapport à ce que veulent les enseignants. C'est normal qu'un enseignant qui ne travaille pas ne perçoit pas son salaire. Nous sommes d'accord là-dessus. La législation a déjà dit ce qu'il a dit. Maintenant, c'est à la responsabilité d'assumer. Ça reste un peu parce qu'il faudrait aussi, il y a des modalités sur lesquelles il faudrait travailler pour que les gens puissent aussi aller directement dans ça. Une partie est réglée, mais l'autre partie n'est pas encore réglée. Donc pour le moment, pour les enseignants qui ont déjà subi leur formation et qui attendaient que l'arrêté pour déposer leur dossier de reclassement, c'est réglé. Mais pour les autres qui doivent aller à la formation aussi, ce n'est pas encore réglé parce qu'il faudrait qu'ils aillent en formation. Merci beaucoup. En langue arabe, membre du G7. Tay ñu ñëwone fi ci Thiès di def suñu ben AG ci parmi 10 AG ñu wara def au niveau national. Man ñu denkon ma Thiès ak Fatick, demb la dem Fatick tay ma ñëw Thiès pour ñu dajé ak suñu camarade enseignant yi nga xamné ñi ngi ci région de Thiès pour wax leen fi ñu tollu ak gouvernement bi ci suñu négociation, mais wax leen wan andil leen ci chiffre net proposition yi nga xamné gouvernement bi def nako ci suñu revendication ci li ñu tuddé système de rémunération. Fi ñu tollu ak ñom nak moy jox nañu ay montant yo xamné ñom niñ ko waxé moy impôt yi dañ ko ci dindi, donc jox nañ ñu net ci corps yi nga xamné mo am ci enseignement. Ñun aussi suñu proposition bokon na ci ay rubrique indemnitaire yo xamné état daaw ko fay, ñu proposer leen indemnité yoyu aussi ak ay montant yo xamné buñu joxé ay tontu xaw nañu djégué ñun fi nga xamné fofu lañ den xaar. Donc ak yenen tombe yu bare bare yo xamné war nañu amalant ak ñom benen dajé alxames muy suba pour ñu xol lan lañuy def ak ñom. Légui nak comme dañu wara dem ak gouvernement bi suba samedi alxames bi pour liñuy andilat lu bess ci observation yi nga xamné ñun defon nañ ko, est-ce que dañuy signé wala est-ce que duñu signé, lolou lañu ñëwon tay waxtan ko ak base bi pour ñu wax ñu seen xalaat. Bu dé dañuy taxaw nañ ñu wax lan mo tax ñu wara taxaw, bu dé dañuy continuer aussi
aussi nañ ñu wax lan mo tax ñu wara continuer ak kagn lañuy wara tax wa buñu bëgge wël grève aussi il faut ñu wax ñu buñ koy wëyel dañ koy wëyel ba kagn ak dañ koy wëyel ak nan lañuy wara taxawé buñu waré taxaw ëlëk parce que xex aussi lu mu yag ci jeex lay nek lu mu yag day jeex day mujjé ci table de négociation donc ñun ay ndaw la ñu ñom ñoo ñu jabaloon xex nañu ba excel andil leen li nga xamné mom lañu proposer dañ leen di dégglu ñom ñuy wax après lan lañuy def bu yé lañu bëgg ñu taxaw dañuy taxaw mais bu dé dañu bëgg ñu continuer dañuy continuer mais nañu xamné taxaw bi mën na am ay conséquences continuer bi aussi mën na am ay conséquences mais lepp rek nañu andando ñun ñëpp ñu assumer mars ak mai bi ngeen di wax ni warna am wa mars manam li ci woor ñu wax ñuko gouvernement wax ñuko ci table de négociation bi moy ñom paré nañu pour fay moitié bi non 60% yi paré nañu pour fay ko ci salaire mois de mai 2022 mom 40% ñu paré nañu pour ñom pour fay ko ci salaire janvier 2023 lolu aussi mu wouté ak liñ jikon wax moy juillet 2022 ak juillet 2022 50% 50%. Mais liñ mujj wax moy 60% mois de mai salaire mois de mai 2022 et les 40% mom ci salaire mois de janvier 2023 ñu ne liko andi nak moy loi de finances rectificative moy LFR bi nga xamné taxi lim leen may moy ñi ngi ko mëna def au mois de juin mais biñu génné ñom wo président de la république mu wax ak ñom ci leen wax nañ ko jëm xëc mom bu jéré mu def décret sax mom mu def décret pour ñu xëc momu LFR bobu au mois de mars ak avril pour ñu mëne ko fay au mois de mai dal xel ak ñaaka dal xel mi nga aju ci ni ngay apprécier ce proposition bi ñu la défal liñu xam dal manana wala yënul manana non ñun dal liñu mëna xam moy affaire bi bu fekkonté ni enseignant yi ñi deglu tay jox nañu feu vert dañuy wax né dina nek lo xamné c'est historique su mëna c'est historique moy Sénégal bi mi Sénégal ba tay augmentation yu mel ni ci corps enseignant musul am donc bu amé lo xamné musul am tamo am enseignant accepte ko dañuy wax na c'est historique mais enseignants aussi momu ñu leen ñom mom seen bop am nañu liberté ap ñu apprécier bu ñu apprécier que ni c'est historique mais doyul parce que gis nañu mën nañu am lu ko aussi dañ leen di fekk ci lolu Sénégal lañuy fayé mais ñun nous sommes des Sénégalais ñun duñu ay Burkina Faso duñu ay Congolais ay Sénégalais lañu dañu am droit ci Libye dañu am droit ci xaju Sénégal parce que dañu défa Sénégal ay service suñu service yoy aussi dañu parents d'élèves yoy di wax né peut-être dañ ci lax su ñom nga wara convoquer laaj len lan moy seen preuve que né dafa am politique bu ci laxasu ñun ñi nek ci G7 bi les 5 yi dess nga xamna ñoy continuer ci lit bi liñu mëna wax moy ñun amu ci kenn ci ko am ben carte ci ben parti politique au niveau national lolu mom mën na ko cédé ben du moy ñun suñu akulay taala lañuy jité ci lepp lo xamné dañ koy def parce que liñuy am ñun en tant que SG am nañ ko avant même ñu nek ay secrétaire général syndicat ñun xam nga ay technicien de l'éducation lañu bus buñu demon tamit bo wara suspendre wala bo wara lever wala ñu dégg ñu dem ba nit ñi tit ci cantam horaire bi aussi xam nañu levier yi nga xamné buñ ko téy suñu loxo inshallah taala yoy yeb dañ ko corriger lu audi bon audi dispersé amu ci amna ci parce que buñ jëk ñun sept syndicats yépp ñu don tok comité scientifique discuter tek plan d'action exécuté ndoko mais dañu sellu né plan d'action bi mu yim mujja am ni mu démé dawul démé nonou parce que dañu jéki tok ci ben réunion bo xamné ñun ñëpp ñoko sékkon ñun les 7 syndicats ñu dem ba 20h ñu tax réunion bobu dem ñibi té réunion de monitoring la won avec le gouvernement ci ëlëk si lañu yëg né amna syndicat ci ñun 7 ñi ño xamné day dem ci ay plan d'action lool nak vraiment ku nekk am nga liberté en tant que organisation pour def ni nga gisé mom syndicat mais ñun aussi luñu jappone moy ñun gestion ñu def dañ ko wara defando lolou motax ñu baye syndicat bobu dem après